Hey yo tout le monde, ici Baïka Auto. On se retrouve pour une petite vidéo pour montrer comment démonter un triangle sur une Saxo, donc un Alexandre D. Donc c'est le même système pour les 1 et les etc. Donc il n'y a rien de très compliqué, hein. Ça reste la mécanique de base. Ça va vous coûter quoi une demi-heure de travail sur le véhicule et vous faire économiser pas mal de pognon. Donc avant tout, il suffit de démonter la barre stable qui est maintenue par deux vis de 13. Ensuite, il y a la vis là derrière en 17 ou en 19 ou en 18, suivant les modèles. Ça arrive que quand c'est échangé, le filetage il change. Et il y a aussi celle-ci qui est au niveau de la rotule à enlever, qui tient le moyeu, qui doit être en 17 aussi. Une fois que vous avez les vis, c'est là vous tapez un peu au marteau pour sortir la vis. Pour moins que la roue et la terre ça se bloque. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller à l'intérieur de l'habitacle. Et en fait, à l'intérieur de l'habitacle, là au fond, il y a deux clips. Je sais pas si on les voit. Là, il y a un qui est là-bas derrière. Vous tirez la moquette. Ici, il y a une petite trappe avec deux boulons de 16 pour enlever les deux vis qui retiennent encore le triangle. Donc, une fois que vous avez tout dévissé, soit vous prenez une barre pour faire une pesée entre le triangle et le châssis pour dire de faire sortir la rotule de son moyeu. Ou sinon il y a un outil adapté, ça s'appelle la fourchette, qui vient se mettre entre les deux. Elle fait comme ça, comme mon doigt, et en fait elle vient se mettre dans la rotule comme ça, et ça vous fait un effet de levier et ça la pousse. Et en fait, pour remonter, vous faites tout dans l'ordre suivant comment vous avez démonté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là va vous aider, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.